Yo les frérots, c'est Ruru, nouvelle vidéo, nouveau showcase sur le jeu Dragon Ball Legends les gars. Après une petite vidéo sur Dokkan Battle, pourquoi pas, voilà, une petite vidéo sur DB Legends les BG, j'espère que vous allez apprécier. Du coup les BG, dans ce showcase là, on va partir tester la saga film au grand complet. Du coup c'est la saga film personnelle, c'est vraiment la, pour moi la saga film que je joue actuellement, que je kiffe jouer. Et qui est incroyable au niveau des dégâts qu'on cale. Après au niveau de tankiness, voilà, ça aurait pu être un peu plus tanky. Par contre la team tourne très très bien. Le Gohan Elf qui est juste incroyable. Le Gogeta Blue qui fait des dégâts monstrueux. Le Broly, j'ai pas besoin d'en parler. Je pense que tout le monde connaît sa puissance. Le Bojack, c'est pareil. Et puis bien entendu les deux Broly Zenkai qui sont là, bah, en soutien également. Le Broly Zenkai vert, toujours aussi puissant. Le Broly Zenkai violet qui est incroyable et qui vient en plus de ça renforcer le Gohan dans la team. Et c'est pour ça qu'on atteint quand même une cote, un bonus de capacité tout de même à 3269%. C'est très loin d'être négligeable les BG. Et du coup, on part les frérots pour les games, c'est parti. Et bien pour la première game, très très belle team, guerrier fusionné en face. Il avait également un Gogeta 4 6 étoiles, assez intéressant. Bon, j'ai bien fait de prendre le Broly, il a pas pris son Gogeta 4 de l'autre côté. Allez, let's go. On va faire... Oh bien, nickel. On touche directement ici. Je pense qu'on a surpris l'adversaire, il s'attendait pas à ça. Et là, le fait qu'il ait changé, par contre, ça va pas le mettre bien. Et ici, je vais prendre la verte. J'ai lancé directement un space. Si on évanouit, on est trop trop bien par contre. Si on évanouit, c'est juste une masterclass du Broly. D'entrée de jeu, voilà. Voilà, d'entrée de jeu, hein. D'entrée de jeu. Masterclass du Broly. Trop trop fort. Trop trop fort le perso de toute façon. Enfin, voilà. C'est justement pour ça que je voulais faire une blast ici. Je vais mettre le Bojack. Alors je sais pas s'il a déjà récupéré le VB, j'espère pas. Allez, si, il l'a complètement récupéré, tant pis. Du coup on va pas faire un maximum de dégâts non plus. Mais on va quand même en faire. Ouais non, on va pas en faire du tout en fait. Pas du tout. On va mettre le Gohan, on va temporiser avec la verte, ça recule en face. J'adore ce genre de gameplay. On temporise un tout petit peu. Parfait, c'est passé. Ah, il a décidé de mettre le Gogeta Blue de son côté. Parfait, le perfect dodge ici. Oh putain, là il est pas bien. Là à mon avis c'est un KO les gars, je vous le dis. Oh c'est même sûr. Ah, là c'est KO sûr. Voilà, parfait. Et là du coup le fait que ça change de perso, on va récupérer la barre de TP. Putain merde. Voilà, bah tant pis, je parle trop vite. Je parle trop du coup et va le karma. Justement j'ai pas pu esquiver. S'il fait l'ultime je mets le Bojack hein, forcément. Il ne fera pas KO ici. Et là vous voyez que tout de même c'est une grosse team guerrier fusionné qu'on affronte. Pas mal étoilé avec 7 étoiles de partout. Et la team qui tank vraiment vraiment énervée. La team vraiment qui tank de ouf. Et galère à nous faire des après. Ouh, alors là BG je prends. Merci. Moi je vais continuer à faire mes petits strikes là avec le Bojack de mon côté. C'est parfait, on va mettre le Gohan ici, faire la blast, forcément. Bon, je vais pas errer. Parfait, on touche. Nickel, je mets le Broly directement. Je voulais carrément faire la FP avec le Broly, mais c'est pas grave, tant pis. Vas-y. Et là, je vais mettre le Bojack, parce que là, à mon avis, il va faire son... pas du tout. Il a pas du tout fait de RR en face. Ok. Bonne temporisation. Mais bon, elle était assez longue, je comprends pas trop pourquoi, mais vas-y. Là, dans tous les cas, je vois mal comment il peut gagner. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. D'accord. Voilà. Voilà, une blast. C'était presque one shot carrément du Gogeta Blue s'il avait eu toute sa vie. Donc, incroyable, juste la surpuissance de la Team Movie. Il n'a pas joué son RR en face, ok. Bah en même temps là c'était vraiment très très compliqué pour lui étant donné que j'avais encore le Gohan Revive et qu'il avait toujours sa première barre de vie. Il est vraiment très très chaud à faire tomber ce personnage. Et on part du coup nous pour une deuxième game, c'est parti. Team SSJ en face avec double pivot sur le Broly. Ça va faire très 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 mal. De l'autre côté nous on a décidé de prendre le Broly Zenkai 7 ici. Justement pour les deux bleus je veux dire. Je sens bien la petite... voilà, je m'en doutais, j'avais vu. Je l'avais vu venir, je vais mettre le Broly ici. Blast. Je touche, parfait. Let's go, je prends. C'est parti ici pour les dégâts. Oh putain les dégâts strike ici, incroyable.
Ouf, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Ok. Ok, full strike. Il reste en full strike, du coup j'ai bien fait de mettre le Broly ici. Pour la cover, tout simplement. Attention à l'aspect au cas où. Ok, il s'est pas fait avoir bêtement. Oh, alors là par contre il est full boosté en face son Broly. J'ai mangé. Ah là je vais manger. Par contre je mettrai. Je pense que je vais mettre le Broly vert si jamais il décide de faire son, de balancer son ultime. Ouais, je vais le mettre. Je vais le mettre. Bon, on va subir, mais ça va. Ouais, on va quand même tanker. Ok. Autant pour moi, frérot. Autant pour moi. Désolé. Je vais temporiser de mon côté. Ouais, temporiser aussi également. Oh, le perfect dodge. Oh, il m'avait complètement perfect dodge en face. 947. Parfait. Je prends. Et Kuzo hein, pour la strike ici. Il met le. Forcément, il met le. Il met le Gohan. Je vais mettre le Broly. Faire le main, perfect dodge ou pas? Oh bâtard, putain! Ah, oh, j'ai la haine. J'ai la haine ici, tant pis, je me le prends. Ouais, ça fait un KO ici du coup. Tempo. Parfait! C'est nickel. Mettre le Broly. Prendre l'aspect. On va refaire une blast. Parfait. L'aspect. Oh, on va faire du gros dégât à mon avis sur le Badak ici. Oh la vache. Deuxième spé. Et elle passe. KO. C'est un KO. C'est un KO, messieurs. Oh putain, le con. Oh le teubé, j'ai paniqué, j'ai mis Gohan. Oh le con, j'ai paniqué, j'ai mis Gohan. Oh là là, le con. Oh le teubé. Oh, il me fait trop mal avec son Broly. Oh, il met pas KO. Je prends. C'est parfait. Oula, oula, oula. Mais c'est one shot hein. Ah mais c'est one shot totalement ici hein. Ah mais totalement frérot. Oh bah là par contre il met KO du coup avec une tap attaque. Blast direct, blast direct. Il a déjà fait l'ultime. Ouh bah voilà, voilà, parfait. Là c'est la win. Quoi? J'ai break combo. J'ai break combo. Mais ouais, mais je parle trop aussi frérot. Oh, il m'a bloqué toutes mes strikes l'enculé. Ah, oh, j'ai le seum. Ah, oh, j'ai le seum. Ah, oh, j'ai le seum. Ah, non. Oh, parfait. Oh là là, oh, parfait. Oh là, oh là. Oh, j'ai une chatte. Oh, j'ai une schneck. Oh, j'ai une schneck, elle est énervée. Tape attaque ici. Wouh. Wouh. On a eu chaud au cul, hein. Oh la vache, la deuxième game, comment on a eu chaud au cul, les mecs. Aïe 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 aïe. Mais on a fait une belle remontada. On s'y attendait pas celle-là et ça nous a mis bien. Parce que le fait qu'il nous ait mis le Broly KO avec le RR, ça va très très bien en face. Mais on a quand même pu rattraper grâce à la surpuissance du Broly Zenkai 7 ici. Incroyable, incroyable. C'est parti du coup les frérots pour une troisième game. Et bien pour cette deuxième game, ça sera une team métis. Forcément, forcément il devait y en avoir une hein, dans Showcase. Avec tout ce qu'il y a en ladder en ce moment. Et moi j'ai décidé de partir en blue. En purple blue, tout simplement, avec le Broly. Enfin, avec les deux Broly, justement, et le Gohan LF. C'est parti. Allez, strike direct. On réfléchit pas, et ça passe. Parfait. Kuzo pour la blast ici. Bon, allez, on va faire du dégât. Même à contre-type, on va faire du dégât ici avec le Broly. C'est pour ça qu'on va le laisser. Et la vitesse de pioche également. Parfait. Parfait, parfait. Et... Je repars faire une strike ici. Hein. Ouh, à mon avis, il va esquiver. C'était sûr. Bah, du coup, je vais mettre le Broly ici hein, pour tanker. Il va largement tanker les dégâts du Gohan. Même s'il va quand même subir. Hein. C'est pour ça que le Gohan SCJ, même non transfo, il est incroyable le perso. Il vous fait les mêmes dégâts strike que les dégâts blast d'un Gohan Zenkai 7. Parfait. Parfait. Alors là, je suis trop bien. Là, je suis vraiment trop bien, par contre, pour le coup. Let's go. Broly, spé. Évanouissement. Non, dommage. Tap attaque. Oh, ça passe. C'est un petit peu lagué aussi. C'est un peu bizarre, mais bon. Tranquille, tranquille. On va dire que c'est la coupe.
Parfait. Oh là 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 là, il y a tout qui passe. Un délire. Et si on va faire le main avec le Broly? Par contre, ça lag très très fortement en face. Yes, aïe. Comme ça, je refais une petite strike derrière. Et let's go pour l'ultime. Désolé pour les lags, les gars. C'est pas moi. C'est complètement du côté de l'adversaire qu'il y a des lags comme ça. Vous connaissez, hein. Vous connaissez. Ma connexion ici, ça va. J'ai la fibre et tout. Il n'y a pas de problème. Et c'est putain presque. C'est presque un KO. Hein. C'est un monstre. C'est vraiment un monstre ce perso. C'est un putain de délire, quoi. Directement. Directement ici, je blast. J'ai bien fait. Et non. Et non, frérot. Et là, c'est un KO du Gohan. C'est le KO du Gohan SCJ2. Alors là, par contre, on est archi bien dans la game. On a toujours pas utilisé le RR de l'autre côté. Lui, il l'a utilisé et il s'est complètement foiré, justement. Ici, strike avec le Broly trop fort parce qu'on traverse le blast. On est totalement en train de laminer notre adversaire ici. Vraiment, la team Purple, Purple Blue en saga movie, les gars, c'est trop trop fort. Le Broly, les deux Broly sont incroyables. Le Gohan est incroyable. Ici, la petite spé qui va passer. Est-ce qu'elle va mettre KO? Et presque, hein. Une strike ici. Ça a arrêté de jouer en face. Ça a complètement arrêté de jouer en face. Ah non, tout de même pas. Ok. Ok. À mon avis, ça sent le bot. Je crois que ça sent le bot en face, à mon avis, pour la fin de game, vu comment... Ah un bot, ça fait ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, c'est clairement un bot. Hein. Pour faire une strike dans une blast comme ça, alors que ça se voyait à 10 000 km que c'était une blast... C'est clairement un bot. Bah voilà pour la deuxième, pour la troisième game du coup, ici les BG, suprématie. Saga Movie, suprématie les BG, incroyable, la team elle est trop forte, et même compte vu de la Saiyan Métis, on s'en sort bien ici, même si le niveau en face n'était pas non plus incroyable, mais ça fait toujours plaisir, et du coup on part pour une dernière game les BG, c'est parti. Et la dernière game contre une team Kidivin les BG, oh je crois que je suis parti avec un bon pool, hein. Commence par Gatai en face, étonnant qu'il commence par Gatai d'ailleurs en face, hein, alors qu'il a le VB et la Vados, bon, c'est comme il veut, hein. C'est comme il veut, moi j'attaque ici. Hein. Et on va faire, regardez, 3 strikes non transfo du Gohan sur le Gatai, hein. Ah c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Parfait, on a la bonne tempo ici. Ça met bien. On va mettre le Gogeta de l'autre côté. Il va mettre certainement la Vados. Ouf, j'aurais dû jouer la verte ici. J'aurais joué la verte, je me serais mis tellement bien par contre. Tant pis. On va essayer de la placer. Bah du coup non. Non non non, on va éviter de se prendre les gros dégâts du Gatai ici. Il fait une verte, ok. Il a quoi derrière? Oh, j'ai 3 vertes dans la main par contre avec le Gohan, ça c'est chiant. Ça c'est très très chiant. Bon, je vais pouvoir tempo, hein, ça c'est sûr, mais bon, ça reste relou. Bon, il fait une verte de son côté également. Il y a moyen qu'il fasse... Oh putain, il m'a tout enlevé. Je vais en faire une ici. Hop là, on va temporiser. Parfait, ça passe. Et l'aspect du Gogeta ici. On va mettre le Broly, on va faire le main pour tempo, il esquive directement ici, on va esquiver également directement de notre côté. Je vais mettre le Gohan ici et l'aspect direct sur la Vados qui va tout simplement la terminer. Par contre j'ai pas esquivé ici. Je sais pas ce que j'ai fait ici les gars, mais j'ai pas du tout esquivé. J'étais pas dans le game, c'est pas grave. Et là ce que je pourrais faire c'est tempo. Après il fait beaucoup de tap attaque en face depuis tout à l'heure. On ferait bien une petite. Ouh alors là je prends. Alors là, je prends, frérot. Je vais mettre le Gogetada. Et le KO ici du VB. On va faire le main. On va faire la strike. On va esquiver direct. Parfait. Petite strike ici des familles. Et petit abandon également de l'adversaire. Bah voilà, vous voyez à quel point la team est juste trop forte. Hein. Elle vous fait des dégâts de dingue. Là, elle fait vraiment des dégâts de dingue. Le Gohan avec sa double vie, c'est du grand n'importe quoi, c'est juste trop fort. Vous avez pratiquement une survie offerte avec le RR juste via le Gohan, tout simplement. Vous avez plein de mises à cover dans la team Saga Movie, que ce soit avec le Gogeta Blue, que ce soit avec le Broly Vert, que ce soit également avec le Broly LF aussi.
bien entendu. Et puis voilà, non mais la team est juste trop complète, et juste trop performante en PvP, et ça fait vraiment plaisir. Le retour de la saga Movie depuis déjà tard l'époque, hein, où il y avait du coup le trio habituel qu'on voyait tout le temps, c'était le Vegeta Transfo avec le Gohan Transfo jaune et le Bojack violet. Vous devriez bien connaître la team, je pense. Moi en tout cas, je la connaissais très très bien, cette team là, parce que je l'avais souvent affronté. Bref, en tout cas les BG, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à ma chaîne, donc n'hésitez pas les frérots. On est bientôt au 900, ça fait vraiment plaisir. Le petit pouce bleu en l'air pour me dire que vous avez kiffé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre les petits commentaires, voilà, dans l'espace qui est dédié, les BG. Sur ce, moi je vous souhaite une très 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 bonne journée. Pas de live ce week-end les gars, je suis redescendu voir du coup les parents, l'ami, vous connaissez, du coup il n'y aura pas de vidéo non plus lundi. On se retrouvera du coup les BG mardi pour le live Reveal and Stuff, tout simplement de DB Legends. Sur ce les BG, c'était Ruru et ciao.